Après 4 jours de travail avec des mappeurs d'exception, on a créé une map avec plusieurs niveaux de labyrinthe. On a 50 abonnés qui participent, plus les membres de la Dream Team. Et le premier qui termine remporte 1000 euros. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir qui c'est qui va l'emporter. Et si toi tu veux participer à ce genre de concept, n'hésite pas à rejoindre mon Discord qui est en description. Là-bas, les candidatures sont ouvertes à n'importe quelle personne. Donc c'est-à-dire que si toi tu veux participer à mes vidéos, tu peux le faire. On est 62 000 sur le Discord. Objectif, passer les 100 000 membres. En vrai, ça serait un truc de dingue de passer les 100 000. Bienvenue sur le serveur! Ouais! Petit spoil, les amis, du serveur qui est énorme! Alors, les amis, mettez-vous tous dans le trou. C'est le trou du labyrinthe. C'est là où les joueurs du labyrinthe ils spawnent dans le film. C'est exactement comme dans le film, les refs, en fait. Pourquoi j'ai une. What? Pourquoi j'ai une licorne sur la tête, les gars? What? Un pénis sur la tête. Pourquoi j'ai un pénis sur la tête? Je tout le monde, c'est Jane. Je m'appelle tous extrêmement bien aujourd'hui. On est parti pour une game Minecraft sur le plus gros labyrinthe de l'histoire. Aujourd'hui, on a plus de 50 abonnés avec moi. Comment ils sont chauds, les gars? Est-ce que vous êtes chauds, les amis, pour gagner 1000 euros? Parce que la première personne, les amis, qui va terminer ce labyrinthe aujourd'hui remporte 1000 balles. Ce soir, arrêtez, je deviens riche. Je m'en bats les couilles. Donc, il faut que je vous montre un petit peu. On a voulu faire un petit peu la même map comme le film Labyrinthe. Et ce qui se passe, c'est que derrière ce bloc-là, il y a l'entrée. Il y a des niveaux de dingue. Tépais-toi, moi, mec. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, mec, c'est quoi ça? De quoi? Genre, il écrit Brice Théo et je sais pas, je suis en train de. Attends, pourquoi Brice t'es en train de sucer la. Attends, il y a Biscotte là, regardez, Biscotte qui tient la main, Stylix et 2 qui est trop mignon, wesh. Le départ est là, les amis, mettez-vous tous sur la ligne de départ. Donc n'oubliez pas, les amis, hein, 1000 euros pour le premier. Putain, on l'a bien compris ça. Toi, tu l'as bien compris, Théo? Alors, moi, j'ai passé par un petit trou ici, parce que moi, je vais être l'admin. Moi, je vais un petit peu faire chier les joueurs, ma boy. Parce que j'ai une canne à pêche pour attraper les joueurs, j'ai des blocs un petit peu pour les bloquer, j'ai des toiles d'araignée et j'ai aussi des potions de lenteur. Alors, du moment. T'es beau avec ton pénis sur la tête, vraiment. Ta gueule, Théo, ta gueule. Du moment où je vais lever ce levier pour commencer l'événement. Vous êtes prêts? On a oublié de tirer un truc aux abonnés, les gars. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut dire? Vas-y, c'est à vous de le dire, les amis. Je vous laisse le chat. Code créateur Unchained. Ah ouais, mais là on est sur Minecraft. Y a pas de code créateur. Ah ça y est, ils ont trouvé. Ah, ça fait plaisir, les refs. Merci, les amis, en tout cas. À ceux qui penseront à s'abonner à la chaîne, pensez au like pour ce concept incroyable. Bon courage, les refs. 3, 2, 1. Il y a dans ce Death Run le labyrinthe neige, version Nether, version lave, version océan. On y a même un dracofeu sur la map et plein de petits easter eggs dispersé un peu partout. Vous allez pouvoir voir la POV de Théo, Brice, ainsi que la mienne qui suit animateur tout au-dessus de la map. Et puis, avant que la vidéo commence, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Abonne-toi, c'est totalement gratuit et tu pourras toujours changer d'avis par la suite. On est à ça, de passer les 1 400 000. Sur ce, bon visionnage. Go, les gars. Ça commence direct, le mec, il rigole pas. Ouais, gros, c'est quoi ce genre de master labyrinthe? Ok, je vais m'aider comme ça, je vais tricher, gros. Ok, c'est bon, les amis, tout le monde a commencé le labyrinthe. Je crois qu'ils sont trompés, là, ils ont pas trouvé la bonne cachette. What, Snow White, il est premier, what the fuck? Ça y est, j'ai trouvé, je suis tout seul, mec, je suis tout seul devant, gros, j'ai trouvé. C'est vrai? Oui. Oh, t'as un speedrun, les 1000 euros. Non, c'est faux, je suis avec tout le monde et je galère. Est-ce que ça vous dit, on en bloque un petit peu quelques-uns? What, toi, sur le premier? C'est bon, j'ai trouvé la sortie. Let's go, j'ai trouvé la sortie. Alors, passez bien, les amis, sur la plaque de pression. Ça va être le checkpoint, les gars. Pensez-le, sinon après, vous crevez. Donc là, pour l'instant, il y en a à peu près 8-10. Il y a Brice qui est passé, les amis. Hein. Et là, c'est moi qui décide pour leur ouvrir le chemin pour la deuxième partie. Donc là, cette fois-ci, ils vont devoir faire des sauts. Le problème, c'est qu'il y a des murs invisibles. Vous voyez, par exemple, là, je peux pas avancer. Il y a un mur invisible devant moi. Est-ce que vous êtes prêts à passer le deuxième niveau? J'ouvre! Oh mon dieu! Oh, j'ai réussi! Non! Ok, j'ai réussi. J'y suis. Ok, est-ce que lui il est là? Punaise, Bulio et Fer. J'ai l'impression qu'il arrive bien. Oh, il s'est pris un mur invisible, dommage. Attends, je me concentre. Non, Brice aussi s'est pris un mur invisible. Ah si, ok, c'est juste là. Y'a pas un mec qui a réussi à passer. Comment ça se passe, Théo, frérot? Je pense que j'arriverai pas à passer le premier niveau. En fait, il faut que tu regardes les gens où ils sautent, Théo, et t'essayes de sauter où ils sautent et où pour eux ça passe. Voilà, nickel. Là, saute devant, pile devant, ça passe. Ouais, ici c'est bon. Voilà. Vas-y, et ensuite, regarde les gens autour de toi. Oh, Brice, ouais, je t'ai enculé. Vas-y, passe. Oh, wesh. Non! Pourquoi je suis mort là? Gros, c'est le premier qui passe dans le labyrinthe du Nether. Mec, j'ai une technique. Mais non, les collisions, ils m'ont fait tomber. Tu tombes à cause des joueurs, toi? Attends, mais un bon grec, est-ce que je lui mettrais pas une petite potion de lenteur quand même, ma man? Ok, donc un bon grec pour l'instant. Attends, il est bientôt à l'arrivée. Non, c'est pas là un bon grec. Oh. GG, frérot. Ok. S'il te plaît, dis-moi que c'est bon. Oui! Je suis arrivé au bout! Let's go, je suis arrivé au bout. Non. Brice est passé aussi. Brice deuxième, il me semble. Ah non, il est pas du tout deuxième en fait, j'ai rien dit, regardez les gens qui arrivent. Faut faire trop attention. Faut faire hyper gaffe. Mais arrêtez de prendre les plaques.
J'ouvrirai l'avant quand Théo il sera passé. C'est du parcours normal, mec, j'ai win. Non, tu vas pas gagner des prix. Zéro. Brice, si tu gagnes les 1000 euros, on peut se faire tous les deux un petit. Si on gagne les 1000 euros, je passe 250 euros à toi et 250 euros à une association et j'y garde les 500 pour moi. Voilà, c'est bon ou pas? En vrai, si je gagne les 1000 euros, bah, je les gagnerai pas. Si jamais tu finis la bière Nether, fais gaffe en arrivant en bout. Ne marche pas sur le bloc du milieu, va directement sur les plaques en or. Théo est passé. Oui. Il est passé. Ouais, oui, il est dans la direct, il est dans la direct. Let's go, quel monstre! C'est moi, oh j'ai mon dieu! Frère. Malheureusement, Brice, t'es prêt à partir ou pas? T'es prêt à partir? Je suis prêt à partir, gros, je suis prêt à partir là. Niveau suivant! Let's go! J'y vais, Benek. Non! Oh, dommage, okay, c'est pas grave, dommage, c'est pas grave. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Y'en a qui est passé! Y'en a qui est passé! Mais il est trop fort! Bulio FR est passé dans le labyrinthe neige. Okay. Là, on peut le remarquer. Coucou Biscotte. Malheureusement, Biscotte n'est pas présent dans cette vidéo-là, mais on lui a fait un petit clin d'œil. Y'a plein de petits clins d'œil comme ça dans le labyrinthe, assez sympa. Comment ça, il écrit Biscotte avec un cochon, wesh? La pauvre, elle a rien demandé. Brice aussi est passé. Là aussi, y'a notre clin d'œil. Salut, Mamène, avec le poulet Uncharted. C'est qui a fait ce poulet, par contre? Là, c'est pas marrant ça. Théo, je suis tellement déçu de ne pas pouvoir. Non. Maintenant, un extrait de la pauvre de Théo avec sur son visage. Attention ce que tu vas dire. Un rhino, c'est Brice. Est-ce que vous êtes prêts pour ceux qui sont au labyrinthe neige? Je vous ouvre le portail pour le labyrinthe spécial love. Go! Let's go. Là, faut faire hyper attention parce que là, le problème c'est que. Voilà, c'est ça en fait. Le problème c'est que avec les collisions, c'est trop dur, mec. En fait, faut tryhard et en même temps, faut y aller tranquille parce qu'en fait, on a. En fait, non, Balek en fait. C'est quoi, gros? Je vais rush. Non, mais je vais rush, gros. En fait, c'est la meilleure technique à faire parce que dans tous les cas, on est en peaceful. Donc, let's go. Let's go. Let's go. Ok. Alors, celui-là, les amis, il est trop beau. C'est un labyrinthe, mais les gens, ils vont nager. Mais attention, parce qu'ils vont perdre petit à petit leur HP. Le moyen de survivre, c'est qu'ils se posent sur les blocs de lave en appuyant sur leur touche sneak et ils vont récupérer leur respiration. Ok, faut vraiment que je me dépêche, sinon je vais crever. C'est trop chaud. Mec, ça me fait stresser les trucs de nage. Fais une pause, Brice, fais une pause. Faut qu'il fasse une pause. C'est un malade, il va crever. Allez, vite. Vite. Il m'a poussé, le bâtard. Bannez-le. Oh, il gère trop bien la technique, Brice, c'est abusé. Hein. Oh, je crois que je suis arrivé. Non. Let's go. Je suis arrivé en premier. Non. Wow, mais j'avais même pas vu, vous avez fait. Oh, vous avez fait un putain de drac au feu, les gars. What the fuck? Ils ont rajouté ça, Staff. Vous avez fait Nemo et tout. Ah oui. Vous avez écrit Mamène et tout. Oh, n'hésitez pas à mettre une note sur 10 dans les commentaires pour nos mappeurs. Ils sont vraiment incroyables. On va tous les remercier en fin de vidéo. Chill, Mamène. On va avec une flèche en montrant que ça, le bonhomme de neige, c'est Théo. Toi qui as quasiment fini. Allez, Théo. Il rebondit dessus, c'est bon. Non, il s'est arrêté. Il est con. Non, il s'est arrêté, mais il est con. Oh, non. Oh, j'ai fait le con. Attends, mec, j'ai mis de l'eau, mais ça a enlevé la lave. N'oubliez pas, les amis, Brice a terminé le parcours Nemo. Comment tu l'as trouvé, le labyrinthe water? Bah, franchement, c'était cool. Un peu de pression, mec, mais chill, en vrai, il était bien. Vous êtes prêts, les amis? Je vous ouvre pour les premiers. Alors, ce niveau, les amis, vous voyez, au sol, il y a plein de petits boutons. Le truc, c'est qu'il va falloir que vous trouviez le bon. Il y en a trois qui fonctionnent et qui va vous faire automatiquement TP au prochain niveau derrière ce mur. Et ça va être le dernier niveau après, ok? Vous êtes prêts, les gars? Ok, vas-y, je suis ready, mec. Oh, j'arrive, je crois. C'est parti. Ok, let's go, gros. Je trouve le n'importe quel bouton. Un bouton au pif. Vraiment que j'en trouve un qui est bien caché. Il y a des trucs, ça va exploser, gros. Ok. Déjà. Ok, non, c'est un bouton piège, ça. Ok, pas grave. Ça m'avait TP quelque part, j'ai fait oula. C'est sûr, ils sont bien cachés. Ok, j'ai une idée, moi. Je pense avoir une idée. Il y en a déjà pas mal qui ont trouvé des boutons, comme Stylix par exemple. Donc, ce labyrinthe, les amis, c'est le dernier niveau. Il est extrêmement difficile, my boy. Et vous pouvez voir qu'à la fin, il y a un bouton. Et la première personne qui va appuyer sur ce bouton-là remporte 1000 euros. Ah, mais ça se trouve, tu sais qu'il y en a un qui suffit qu'il ait trouvé, les autres est cliqué. Mais ouais, c'est ça le problème. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Il est pas du tout caché en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ok, maintenant je vais analyser tout de suite le labyrinthe, gros. Et je vais y aller direct. Ok. Ah, je l'ai trouvé aussi. Là, c'est la castagne. Regarde, il est au-dessus de nous, il doit trop se prendre pour le dieu là. J'imagine trop. Oh, ma mère, tu sais que dans mon slip se cache de la mer. Nique ta mère est où, putain? On peut les 1000 balles. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier niveau, ma boy? Oui. Incroyable. 3, 2, 1, go. Allez, Brice, tu peux le faire. Brice, pour l'instant, qui est promis. Ok. Ok, mon ami. Oh putain, Brice. Ah! Allez, Brice, allez, Brice, allez, Brice, allez, Brice. Oh, un morgue qui prend de l'avance, un morgue qui prend de l'avance. Ouais, mais tout le monde va faire la technique. Non, c'est dégueulasse que ça se joue sur ça. Oh. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Un bon
Grec a terminé le labyrinthe. Il me semble que c'est le premier. On va aller voir tout ça en rediffusion. Non. Sérieux? Premier Swixxud, deuxième Olix, troisième Brice Bébris. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, attends, mais il y en a qui dit que Swixxud cheat. Il paraît qu'il y en a, il a fly. Ouais, non, Swixxud, des fois je voyais faire des boosts, mais je pense que c'est juste un serveur, un like du serveur. Alors attendez, on va aller en voque avec la personne, il est où? Je vais le démute. Bonsoir. Bonsoir frérot, ça va? Ouais, tranquille et toi? Mais GG frérot pour ton parcours. Pourquoi il y a des gens, ils sont jaloux ou ils pensent que tu cheats et tout? Non, mais parce que en gros, il y a ma famille, tu vois, elle regarde Facebook et tout. Et des fois, j'ai des gros pics de connexion parce que je suis pas en Ethernet, je suis en méga câble ultra loin. Ce qui fait que t'as l'impression que les gens te voyaient voler, c'est ça? Ouais, ouais. Mais comment, en ayant une mauvaise coach, tu peux terminer premier? Genre, j'ai dit que j'ai des pics de connexion, pas que j'avais une connexion trop mauvaise. Bah ouais, mais c'est des choses qui vont pas ensemble en fait. Alors Brice, tu t'y connais bien Minecraft? Ouais. Le mec, il me dit qu'il a une mauvaise coach, et donc des fois, en fait, eh ben, les gens le voient voler ou quoi. Mais comment tu peux terminer premier en ayant une mauvaise coach? Non. Tu peux dire que t'as une mauvaise coach si par exemple tu te téléportes, mais si tu te téléportes, genre, ou alors tu freezes, mais voler, jamais de la vie, ça arrive. Ouais, tu pour peux moi, pas. C'est sûr. Sachant que sa voix, elle tremble tellement, frère, quand il me parle. Si vous avez les modes rediff, on va le voir au pas s'il a triché. Donc le mec qui soit honnête et qui dise oui ou non qu'il a pas triché. Elix, il veut parler. Démute-le. Bon, en fait, le mec a cheat. Genre, je l'ai complètement vu cheat à l'épreuve de la lave et genre des barrières. À un moment, je l'ai vu, il a fait un jump. Comme il y avait des barrières, il est tombé dans la lave, il a fly, il est passé à l'étape suivante. Attendez, les gars, bougez pas. Allo, Swix? Tu peux parler ou pas? Ouais. Dis-le tout de suite hein, si t'as triché, parce que ça sert à rien de nous faire attendre. En vrai, ouais. On va le voir sur les redis. T'as triché? Ok. Est-ce que quelqu'un aurait un rec ou quelque chose? Les gars, fin du débat, il vient d'avouer qu'il a triché. Il vient de me l'avouer en privé là. C'est con que je suis un event et que le premier il a triché. Genre vas-y, ça me saoule. C'est incroyable. Alors les amis, on a eu un gros problème. Le premier, les amis, il a triché, il a fly pour sortir de là un moment. Je vous mets le rec dès maintenant. Les amis, dans ce fichier, j'ai les deux recs parce qu'on avait un mode rediffusion pour voir ce qu'il a fait, le tricheur en question. Ok, c'est lui. Oh, il tombe. Mais fly toute la map tant que tu y es, wesh. Et il n'y a pas que ça, Là, à ce moment-là, c'était le dernier niveau. Ouah. Ok, vous avez vu ou pas? Juste ce moment-là, regardez. Vous avez vu ou pas la vitesse qu'il prend? C'est triste, parce que oui, il y avait Milo en jeu, mais on a quand même le gagnant. Le troisième, les amis, c'est Brice Bébris. Let's go. Mon amour, t'es vraiment le plus beau. Vu qu'on a enlevé le tricheur, les amis, mais le deuxième, maintenant, c'est Olix, qui est là. GG Olix. GG Olix, frérot. GG, qui vient de se faire TP aussi, les amis. Ouais, et ouais. Le premier, les amis, c'est un bon grec, hashtag speedrun. Waouh. Alors, bon grec, ma boy. Tu vas faire quoi avec tes 1000 balles? T'es deadbox, comme ça, je peux jouer avec. Non, vas-y, vous faites toujours cette blague là. Écoutez les couilles. Merci pour ceux qui ont accepté de jouer à cette magnifique map. N'oubliez pas le Discord dans la description. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, ça fait trop plaisir. En tout, 1 400 000. Explosez-moi cette barre de pouces bleus. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme prochaine map pour 100 abonnés. Sur ce, les amis, c'était Unchained, Brice et Théo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, soit sur la chaîne secondaire ou la chaîne principale. Ciao, bye. Si, mais j'ai rien gagné. C'est pas grave, Théo. T'as gagné ma bite.